comment savoir si vous faites partie des 5,8 millions de bénéficiaires du chèque énergie 2024? Le chèque énergie est une aide financière précieuse pour de nombreux ménages français. En 2024, cette aide sera à nouveau distribuée et pourrait bien arriver dans votre boîte aux lettres cette semaine. Mais qui sont les bénéficiaires de ce soutien financier? Comment savoir si vous faites partie des heureux élus? Cette vidéo se propose de répondre à ces questions en détaillant les critères d'éligibilité au chèque énergie 2024. Restez connectés et vérifiez régulièrement votre courrier, car cette aide pourrait être un véritable coup de pouce pour vos dépenses énergétiques. Chèque énergie 2024, qui sont les bénéficiaires et quand seront-ils distribués? Le chèque énergie, une aide financière pour régler les dépenses d'énergie, continue son déploiement en France. En 2024, ce dispositif concerne plus de 5,8 millions de personnes. Les envois, effectués par vague selon les départements, se poursuivent entre le 16 et le 19 avril dans 23 départements spécifiques. Un autre envoi est prévu jusqu'au 25 avril. Le montant du chèque varie entre 48 et 277 euros et peut être utilisé pour payer l'électricité, le gaz naturel, la chaleur, le fioul domestique ou encore des combustibles de chauffage liés au logement. Comment déterminer votre éligibilité au chèque énergie? Pour savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie, il est nécessaire de consulter votre revenu fiscal de référence par unité de consommation. Ce dernier est un indicateur clé pour déterminer votre éligibilité. Si vous avez des doutes ou souhaitez une confirmation rapide, un simulateur en ligne est à votre disposition. Cet outil pratique et facile à utiliser vous permettra de vérifier rapidement si vous êtes dans la liste des 5,8 millions de bénéficiaires potentiels. N'oubliez pas que le montant du chèque peut varier entre 48 et 277 euros selon votre situation. Mode d'emploi du chèque énergie. Une fois le chèque énergie en main, son utilisation est simple. Il suffit de se rendre sur le site officiel chequenergie.gouv.fr et d'accéder à votre espace bénéficiaire pour l'utiliser. Vous pouvez également l'envoyer directement à votre fournisseur d'énergie qui déduira alors le montant du chèque de vos factures. En outre, le chèque énergie peut également être utilisé pour financer des travaux de rénovation énergétique, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique des logements et à réduire les factures à long terme. Il est important de vérifier régulièrement son éligibilité au chèque énergie, car les critères d'attribution peuvent évoluer d'une année à l'autre en fonction de la situation financière du ménage. De plus, le chèque énergie offre une flexibilité d'utilisation, permettant aux bénéficiaires de choisir comment ils souhaitent réduire leurs dépenses énergétiques en fonction de leurs besoins spécifiques. Certaines régions proposent également des programmes d'accompagnement pour aider les ménages à maximiser l'impact de leur chèque énergie en réalisant des travaux de rénovation adaptés à leur situation.